Bonjour, bienvenue à SC Tahiti. Alors aujourd'hui, on va faire le unboxing du Lunchbox Blue Style. Donc, celui-là, c'est un modèle avec une radio 2,4 Go et c'est un Expert Build Pro. Couleur bleue avec les jantes bleu chromé. Lunchbox, en fait, ça, c'est un re-release d'un ancien modèle des années 80. Et ils ont remis au goût du jour à la couleur bleue. Voilà. Alors, voici la bête. Lunchbox. Et ensuite, là, il y a la radio. Donc, tout est fourni déjà pré-peint, pré-assemblé. Il y a juste à mettre la batterie et faire marcher. Voilà. Donc, maintenant, on va ouvrir la boîte. Voir la bête à l'intérieur. Voilà la Lunchbox sortie de sa boîte. On passe ma batterie. Les jaunes bleu chromé. Elle est super. Même les suspensions sont chromées. Tout est déjà pré-peint. Impeccable avec la radio 2,4 GHz. Donc, ce modèle est fourni avec la notice d'espère de vis, écrou, pièce en métal. C'est fourni aussi avec un jeu de stickers pour customiser encore un peu plus des deux côtés. Voilà. Et un petit catalogue des modèles de Tamiya. Voilà. Donc en fait, voilà à quoi ressemblait le Lunchbox à l'origine. Ouais, c'est un modèle jaune et maintenant ils l'ont sorti en bleu. Voilà. Ben maintenant, on va enlever la bête et on va regarder ce qu'il y a sous le capot. Voilà ce que ça donne une fois le capot enlevé. On l'a mis de côté. Alors, les roues chromées bleutées, les roues Bigfoot. Ensuite, là, vous avez la transmission avec la roulette de wheeling, le moteur 540. Excellent. En fait, tout le châssis est bleu et blanc. Donc, normalement, il est tout noir en fait. Voilà ce que ça donne. Suspension d'origine. Avant. Le van Chevy en bleu. Donc voilà ce que ça donne. Une fois remis le capot dessus avec la télécommande. Maintenant, on va le démarrer. Voilà, il bondit. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour l'essai du Lunchbox Blue Edition de Tamiya. Ok, les amis. Au revoir, nana, et à bientôt sur SC Tahiti. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos vidéos. Nana.